Nzambe. Quelqu'un peut dire merci Seigneur. Ah, nous remercions le Seigneur pour le privilège qu'il nous accorde d'être ici dans sa maison. Et je ne pense même pas me tenir ici devant vous aujourd'hui. C'est une surprise pour moi aussi. Vous savez, quand le pasteur m'a dit que tu vas prêcher, j'ai commencé à trembler jusqu'à présent. J'ai dit, ah Seigneur, comment est-ce que je vais faire ça? Je compte sur vos prières. Et je crois que Dieu nous aidera. Je remercie le pasteur Baruti pour cette opportunité qu'il m'accorde de me tenir devant sa chair. Parce que cette chair lui appartient. Et j'aimerais vraiment que Dieu m'aide pour que je ne puisse pas m'abuser. Et alors priez pour moi pour cela. Je vous transmets les salutations de mon épouse qui me regarde dans ce moment. Ma chérie Lydia. Je l'appelle Miel. Vous savez. Boyebi. Vous pensez que miel veut dire ma foute en zoï? Ça veut dire ma foute en zoï. Miel veut dire ma foute en zoï. Ça veut dire ma foute. Miel veut dire miel si lusala. Miel wana na lobi elinde koloba miel si lusala. C'est comme ça que la benga kaye miel. Nde bongo la benga kaye miel. Et lui, elle m'appelle plus. Plus veut dire papi lusala. Plus c'est l'ingo loba papi lusala. Alors nous faisons le couple plus miel. Plus miel. Alors elle me regarde, mais là je la salue. Elle vous a salué au nom de Jésus. Et toute l'église de Dallas vous salue au nom du Seigneur Jésus Christ. Amen, amen. Amen. Il y a Papa Landou. Et Papa Landou. Et Maman Landou qui vous ont salué. Na Maman Landou, Papa Sibi Nombote. Ils vous ont donné une salutation spéciale. Baptiste Sibi Nombote, y a l'olenge Moussous. Maman Cathy et Papa Kalo aussi. Maman Cathy na Papa Kalo. Vous ont salué au nom du Seigneur Jésus Christ. Papa Sibi Nombote, na Kombo na Kole Jésus Christ. Ainsi que toute l'église de Dallas. Pe Église Amobimba de Dallas. J'ai mon administrateur, l'honorable Roger, qui est déjà ici avant moi. Nazana Mounyangeli. Et il a préféré m'attendre que je sois là. Alors que Dieu te bénisse, honorable Roger. Je veux vous dire que nous vous aimons beaucoup. Ah, je vois des grands frères, des serviteurs de Dieu. Et que Dieu vous bénisse. Je vous aime beaucoup. Et mon grand frère personnel. Papa Kanyama, que Dieu te bénisse. Papa Kanyama, ça c'est un grand frère personnel. Que Dieu vous bénisse avec l'équipe Balapé, Maman Abisson, Zaba Pambola Bino. Et notre maman, que Dieu vous bénisse. Alors je ne vais pas prendre beaucoup de temps. J'aimerais que nous puissions nous lever pour lire la parole de Dieu. C'est une journée spéciale. Et nous aimerions vraiment être là pour fêter ensemble. Et nous sommes venus pour ça. 74 ans, c'est pas peu de choses. Et on doit honorer quelqu'un qui a fait beaucoup de travail. Et qui a fait même de nous ce que nous sommes. Celui qui m'a montré même à lire la Bible comme ça. Oh, pendant ce temps, prenez Joël 2. Nous allons lire 21. 25 à 29. Et après nous lirons Marc 16, de 14 à 20. Je disais qu'il m'a vraiment formé.
Vous savez, il m'a montré même comment se tenir devant les gens. Boyebi ala kisangana ndengo ba telemaka liboso abato. Soko telemi liboso abato, il faut za la boye. Si tu te tiens devant les gens, tu dois être comme ça. Il faut simba Bible boye. Tu dois tenir la Bible comme ceci. Ale tanganan. Maintenant, essaye de lire. Je lis un peu. Il me dit non, on ne lit pas comme ça. Zalaka na précision na maloba na yo. Tu dois avoir la précision quand vous parlez. Ale toke afongoli TV. Là, il ouvre la télé. Allez, tu vois comme la personne me suit. Exemple. Non, ne suivez pas cet exemple ici. Il part dans l'autre chaîne. Tu vois celui-ci. Exemple. Suis ce modèle ici. Donc, pas à pas, il m'a formé. Malembe, comme ça. Malembe, ndi penza boko lingai. Et si je deviens ingrat, si koyo, ce qui n'a commis mon roi, mon pimi boye, je serai sous la malédiction. Ah, wana na kola kamande mabe. Alors, je ne peux pas être un ingrat. Je dois l'honorer. Et Sengeli n'a pas le coup. Alors, lisons Joël 2. Est-ce que vous promettez que vous prierez pour moi? Je vais parler des choses difficiles. Mais c'est facile pour les aigles. Vous comprendrez pourquoi je dis que c'est difficile. Mais c'est facile. Alors, lisons Joël 2, 21. Pierre ne craint pas. Sois dans l'allégresse et réjouis-toi. Car l'Éternel fait de grandes choses. 25 à 29. Je vous remplacerai les années qu'on dévorait les sauterelles. Le Jelek, les asiles et les Gaza. Bamboula, oyo, bamapan ki nyoso baleaki, ngai na kozongi si la bino yango. Ma grande armée que j'avais envoyée contre vous. Les pinga ngai monene, oyo na tinda ki kote le melabino. Vous mangerez et vous vous rassasierez. Bino bokoli ya pe bokotonda. Et vous célébrerez le nom de l'Éternel, votre Dieu. Boko sepela na kombo na Yahweh nzambe na bino. Qui aura fait pour vous des prodiges. Oyo asaleli bino ya minene. Et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Pe libota na ngai bakozala lisu na mobulu. Et vous saurez que je suis au milieu d'Israël. Nde boko yeba ete na twami kati na Israël. Que je suis l'Éternel votre Dieu. Et qu'il n'y en a point d'autre. Et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards auront des sons. Et vos jeunes gens des visions. Même sur le serviteur et le servante. Dans ce jour-là, je répandrai mon esprit. Jusque-là, vous êtes avec moi. Marc 16, de 14 à 20. Enfin, il apparut aux 11 pendant qu'ils étaient à table. Et il leur reprocha leur incrédulité et la dureté de leur cœur parce qu'ils n'avaient pas cru ce qu'ils avaient vu ressusciter. Oui, il leur dit, allez partout tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel. Et il s'assit à la droite de Dieu. Et ils allèrent prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmer la parole par le miracle qui l'accompagnait. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu vivant,
Tu sais, Seigneur, comment je tremble. Je t'avais demandé, Seigneur, de m'assister. Et tu m'as réveillé par une chanson. Mais disons que tout est possible. Et que toi, tu es capable. Alors, je me remets entre tes mains. Un mot de l'homme Seigneur produira la mort. Même 10 000 mots de l'homme produiront la mort. Mais un seul mot de ta part, ça donne la vie. Alors nous voudrions avoir un mot de ta part. Ôte-nous du chemin. Et parle. Utilise-nous comme des micros. Sois la voix derrière le micro. Comme des trompettes, Seigneur. Sois le souffle derrière la trompette. Et parle toi-même. Que tout ce qui est de l'homme aille de côté. Parle, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Alors, vous pouvez vous asseoir. Quelqu'un peut acclamer le Seigneur Jésus. Amen, amen. Amen. Alors nous allons parler un peu. Donc, Kolobama, ok. Ma prédication, c'est va et accomplis ta mission. L'idée nanga ezaliete kenda pe kokisa. Va et accomplis ta mission. Kenda pe kokisa etinda na yo. Nous avons lu la dernière commission de Jésus à son peuple. Totengi etinda ya suka ya Yesu pa yo. Après sa résurrection. Si manalise kwa na ye. Leur a dit allez partout le monde. Et prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Je crois qu'on verra qu'est-ce que cela veut dire après. C'est ça la mission de l'Église. Donc aujourd'hui, Dieu continue son travail au travers des sons d'Église. Est-ce que vous êtes avec moi jusque-là? Quand Christ était venu sur la terre, il avait une mission. Et cette mission était de racheter la race de Chidadan. Et lui redonner le titre de propriété. Qu'Adam avait perdu dans le jardin d'Eden. Le pouvoir qu'Adam avait. L'autorité qu'Adam avait. Il avait perdu quand le péché. Mais la Christ est venu pour restituer à l'homme tout ce que Adam avait perdu dans le jardin. Et ce peuple là qu'il est venu racheter par son sang, c'est son épouse. Est-ce que vous êtes avec moi jusque là? Alors qu'il marchait sur les rues de Galilée, cette épouse là était à l'intérieur de lui. Elle était à l'intérieur de lui. Quand il parcourait les rues de Galilée, elle était à l'intérieur de lui. Est-ce que vous êtes avec moi jusque là? Quelqu'un peut dire gloire à Dieu. Et quand il est allé à la croix, il a été percé au côté gauche. Il y a l'eau et le sang qui étaient sortis. Et le frère Branham me dit que c'est là où l'épouse est sortie de Christ. Est-ce que vous êtes avec moi? Tout comme Adam a été déchiré. Pour que Ève sorte de lui. C'est de cette même façon que Christ a été déchiré. Pour que l'épouse sorte de Christ. Je crois que vous êtes avec moi jusque là. Dans le bout de sortie de Christ au calvaire. Moi aussi abîmé quand il a Christ on a éclosé. Je souligne bien mes mots. Nazon loba pesa malamu. Vous pouvez lire cela dans la prédication, la résurrection du Seigneur Jésus. Bon, voyez quand on a l'idée, on sait quoi nakolo Jésus. Prêchez le 2 mars 55. Était mis dans mon bout tout comme dans la mitan. Paragraphe 43. Était ni à tout comme dans la mitan. Je vais gagner le temps. Nawe langonga. Pourquoi je ne vais pas lire ça? Comme dit tout comme Adam était déchiré. Abin n'y a pas quoi dans ma passion maki. Ève est sorti de Adam. C'est de cette même façon que Christ a été déchiré. Et son épouse est sortie de lui. Fais-moi si n'aie abimi ou quand Adam a vu Ève
lève pour la première fois. Il avait crié, voici cette fois-ci, celle qui est os de mes os et chair de ma chair. Et c'est de cette même façon que nous sommes parents de parole de Christ et esprit de son esprit. Je vais arriver aux choses difficiles. Mais j'aimerais que vous puissiez d'abord écouter ça. Maintenant, l'église qui était sortie de lui, qui est sortie de Christ, a été manifestée le jour de la Pentecôte. C'est là que le frère Branham dit que c'était la naissance de l'église. Et puis, voilà, Branham a dit l'église a été sortie. L'église qui est sortie de Christ est née le jour de la Pentecôte. Lors de l'effusion du Saint-Esprit. Là, c'était le début du commencement. Il y a eu des signes, des prodiges, des miracles. Il y a eu de parler en langue. Des interprétations de langues. Et il y a eu la manifestation des dons spirituels. Christ qui était le grain de blé. Tombé en terre. Quand il était ressuscité, il a produit beaucoup d'autres grains à la Pentecôte. C'est pourquoi il disait à ses disciples, il vous est avantageux que je m'en aille. Parce que si je ne m'en vais pas, je suis le grain de blé. Je resterai toujours seul. Mais quand je partirai, il y aura beaucoup de grains qui vont sortir à partir de ce seul grain de blé. Est-ce que vous êtes avec moi? Est-ce que vous êtes avec moi? Il vous est avantageux que je m'en aille. Et l'église est née le jour de la Pentecôte. Je souligne. L'église est née le jour de la Pentecôte. Lisez le compte à rebours. Prêchez le 9 février 64. Paragraphe 424. Et dans l'exposé des 7 âges de l'église. La partie résumée. Page 358. Le premier paragraphe. Je ne vais pas lire pour gagner du temps. Finit. À la Pentecôte, la première chose, tout ceux-là qui sont sortis de la chambre haute étaient sous l'onction. Tout ceux-là qui sont sortis de là étaient sous l'onction. Avant que Pierre n'aille dans la chambre haute, il tremblait. Il a fui devant une femme. Mais quand Pierre est sorti de la chambre haute, il est allé se tenir devant la porte appelée la Belle. Il voit un boiteux. Il regarde ce boiteux qui demandait de l'argent. Il dit, je n'ai ni or, je n'ai ni argent. Mais c'est que j'ai. Avant que Pierre ne fasse une telle déclaration, il devait être sûr qu'il a réellement reçu quelque chose. Parce que la chose que Pierre avait reçue était invisible. Mais lui seul devait savoir qu'il avait reçu quelque chose. Alors il regarde le boiteux. Il dit, je n'ai ni or ni argent. Il a fait sortir ses poches de l'autre côté. Il n'y avait rien du tout. Il a fait sortir de ses côtés. Alors, mais c'est que j'ai. Il a dit, oh, yo, na za nango. Mais qu'est-ce qu'il avait? C'était invisible. Il avait reçu la puissance d'en haut. Il avait reçu
reçu la part suffisante. Il a reçu les consolateurs. Il était sûr de ça. Et le boiteux regardait. Ça ne dépendait plus du boiteux. Ce que j'ai, je te donne. Au nom de Jésus, lève-toi et marche. Et le boiteux s'est mis debout. Et il a marché. On voit Pierre qui était arrêté. Les disciples réunis ensemble. Ils ont commencé à prier. L'ange de l'Éternel est descendu dans la prison. Il est allé ouvrir les portes de la prison. Et Pierre est sorti de la prison. Cette puissance était dans l'église. Je soulignais, c'est ce qui avait été à la Pentecôte. Ils ont reçu cette puissance. Il y avait des prodiges. Il y avait des miracles. Ils avaient l'onction. Ils avaient des alléluia. Ils avaient des gloires à Dieu. Ils avaient des amen. La puissance était bien dans l'église. Mais arrivé quelque part. À l'an 325. À l'an 325. Maman Kato est venue. Maman Kato a été. Maman Kato est venue. Maman Kato aye. Avec la Trinité. Na bonzambe ne misato. Elle a introduit la Trinité. Aeko zingi sa bonzambe misato ana. Jésus s'est vu remplacer. Paye soit moné de zika na ye alongolami. Oh, pour que Jésus agisse. Donc apo ye soit sala. Il doit avoir la première place. Et c'est que lia sala ne sika aliboso. S'il n'a pas la première place, il n'agira pas. Mais Jésus s'est vu remplacer par Dieu. Jésus était sorti de l'église. L'église était morte. Mais il y avait une promesse dans Joël. Que je vous remplacerai toutes les années que les casames, la sauterelle, les asiles et les gelèques avaient dévoré. Je vous remplacerai ces années. Je restaurerai. Dieu était obligé. Nzambe atindamaki. Comme c'était une promesse. Il devait restaurer. Atindamaki azongisa. Il a commencé la restauration. Abandaki mosala ya bozongi. Dans la restitution de l'arbre épouse. Na bozongi za mianze eto ngosi na liba. Il dit au prophète Martin Luther. Alobeni mosako li Martin Luther. Vas-y. Kende. Avec la justification. Non, qu'on symbolise. Martin Luther est venu. Martin Luther aye. Il a prêché la justification. Atei bo symbolise. Les gens sont sortis de Maman Kato. Bato babimi na Maman Kato. De l'église catholique. Na église ya bamoupe. Ils ont été justifiés. Ne bongo. Par le fait de sortir. Kaka nenge babimaki. Mais Dieu poursuivait un plan. Donc ensemble, basalé kolanda mo. Quand ils sont sortis. Tango babimi. Dieu dit, je ne vous laisse pas seulement sortir. Zamba lobi na tiki bino ben na. Vous devez commencer à vous sanctifier. Parce que j'ai un plan avec moi. Il dit au prophète John Wesley. John Wesley. Amène-leur le message de la sanctification. John Wesley est venu avec la sanctification. John Wesley a les gens se sont sanctifiés. Et quand vous vous sanctifiez beaucoup, le Saint-Esprit descendra. Le message de John Wesley, John Wesley a provoqué le mouvement de la Pentecôte. Mais Dieu avait une vision. Quelle était la vision de Dieu? Mais qu'au jour de la voix du septième ange, au jour de la voix du septième ange, il envoie un message complet pour une restauration complète et totale. Il dit à Malachie 4, voici
Je vous enverrai Élie le prophète. Avant que le jour de l'Éternel arrive, il ramènera les cœurs de père à leurs enfants. Cela a été accompli avec Jean-Baptiste. Quand Jean-Baptiste est venu, il a prêché la parole. Maintenant, quand Jésus est venu pour être baptisé, Jean-Baptiste dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Tout le monde a suivi Jésus. Et quand ils ont suivi Jésus, Jésus leur a dit, allez à Jérusalem, attendre une puissance qui descendra sur vous. Là vous serez mes témoins. Vous n'avez pas cette puissance. Vous n'êtes pas encore des témoins. Il a dit à Pierre, quand tu seras converti, alors affermis tes frères. Sans cette puissance, Pierre n'était pas converti. Il n'était pas converti. Ils sont allés à la chambre haute. Parce qu'ils avaient peur. Jésus leur avait dit, allez attendre Jérusalem. Alors, la chambre haute. Ils ne leur avaient pas dit d'aller monter sur la chambre haute. Mais ils sont entrés là-bas parce qu'ils avaient peur. Mais quand la puissance est venue, la peur qu'ils avaient était partie. La peur était partie. Amboshila. Fini. Anaïcha. Et si la qui? Imele. Et si la qui? La peur est partie. Kobanga et Kei. Babimi Bangonye Sogarabo. Et ils ont tous sorti en titubant comme ça. Bien à l'obis, ces gens ne sont pas ivres. Babio Bato, le Pedro Bato, ma langue. C'est la promesse de Joël. Et ça, c'est la caille à Joël. Je sais rappeler de la promesse de Joël. Bango, Babi Kanise, il est la caille à Joël. Alors qu'il ne savait même pas lire. Mais cette promesse-là, il a lu ça où? Est-ce que vous êtes avec moi? Ça, c'était ramener les cœurs des pères aux enfants. Parce que à cette époque, les enfants étaient des apôtres. Mission. Si quoi est dans la biso? De Malachie 4. Ya Malachie amine. Il ramènera. Yeah, kozongisa. Les cœurs des enfants. Mitema yabana. À leur père apostolique. Et pas ina batata na bango bantoma. La ina kote le makamo makas. Je veux maintenant entrer dans des histoires dures. Vous êtes prêts? Bolenge l'ami. Est-ce que vous êtes prêts? Bolenge l'ami. Ramènera les cœurs des enfants yabana au père et pas ina batata. Ma question motuna nangai, qui sont les pères batata ngo banani? Qui sont les pères batata ngo banani? Les apôtres, n'est-ce pas? Bantoma boete. Vous avez 20 sur 10 bozui. 20 sur 10 acclamez pour vous-même. Nicolas Azomi bobe tango pour la vie. Maintenant, si koyo, ramener veut dire quoi? Kozongisa elingi kolobanini. Selon le dictionnaire. Koko kanana mokanda ndimbola maloba. Ramener. Oh babengi ramener. C'est amener de nouveau. Elingoba kozongisa lisusu. C'est reconduire. Elingoba komema kitambo. Une personne. Komema moto moko. Au lieu où il était au départ. Na esika oye azalaki ne bandeli. Et dans le sens figuré. Na lolenge moko mosusu. C'est faire naître. Ezali koboti kobota malisusu. Ou rétablir. To kozongisa. Ou alors restaurer. To kozongisa. C'est ça ramener. Yango nde bozongisa mi. C'est-à-dire que Elio lobanini. Le même Dieu. Nzambe moko wana. Que les apôtres avaient. Oyo bantoma bazalaki na. Le même signe. Nzambe elembo moko wana. Le même prodige. Bikamba moko wana. Le même miracle. Bikamba simoko wana. Devait se reproduire encore. Et Seigneur qui ezonga lisusu. Parmi les gens qui ont été ramenés. Kati na bato oyo bazongisa misolo. Parce qu'ils ont été rétablis. Po bazongi na
Est-ce que vous êtes avec moi? On les ramène au lien où ils étaient au départ. Na esika oyo bazala ki ne bandeli. Donc les mêmes signes. Les mêmes prodiges. Bikamwa moko wana. Devaient se reproduire. Esengala ke mona na lisusu. Quelqu'un peut dire amen. Moko alo ba amen. Quelqu'un peut dire gloire à Dieu. Moko alo ba kembo na nzambe. En d'autres termes. Na elo meli mosusu. La dernière commission de Jésus à l'église. Et tina ya suka o Yesu apesi l'église. Qui est Marc 16. Oye ben ami na elo meli na Marc 16. Réalité parmi ceux-là qui ont été ramenés. Quand il n'a pas eu au zongi sami. Marc 16. Malakoso bina moto. Devait être une réalité. Est-ce que là que mon ananabato. Pas une lecture. Mais ça devait être une vie. Parce que c'est là que comme bon. Parmi ceux-là qui ont eu les cœurs ramenés. Quand il n'a pas eu au zongi sami solo. Maintenant. Sikoyo. Selon Branham. Koko kanana Branham. Qu'est-ce qui devait être ramené? Ninyango. Toba nane singela ki bazongi sama. Allons lire un peu. Bon, totanga muke. Dans la prédication, je restaurerai, dit le Seigneur. Nalite ya Yahweh alobi na kozongisa. Je restaurerai. Na kozongisa. C'est une journée spéciale. Oh, eza mokola lolenge nango. Prêchez le 9 août. Et c'est une journée spéciale. Sans aya mwambe utuku zaliba mwambu paragraphe 55 ete na tuku mitano na mitano je restaurerai na kozongisa. Qu'est-ce que Branham me dit? Branham alobi nini? C'est ce qu'il en est du réveil à l'ancienne mode. Yango ne zali kotale la bola mukina lolo. Vous vous enfoncez et vous avez une meilleure assise. Et pas yo yo osindi na bozindo pe ofandi malade. Éloignez-vous de ces vieux credos froids et formalistes. Boke ne mosika na biyambo loane ya kala. Allez à la vigne du Seigneur. Boko ta na boko ta na kolo. Et mettez-vous à manger les fruits et les raisins de la vigne du Seigneur. Pe boke ne koli ambuma vigne na kolo. Écoutez maintenant. Bolanda. Il dit amen. Abi c'est bongo. Je restaurerai. Nakozongisa. Dit l'Éternel. Yawa lobi bongo. Je restaurerai. Nakozongisa. Il pose la question. Atuni motuna. Restaurer quoi? Kozongisa nini? C'est la question que Branham pose. Wana motuna Branham atu. Il répond. Ayanoli. Toute la beauté qu'elle avait autrefois. Toute la beauté qu'elle avait autrefois. Je restaurerai la même église que j'avais à la Pentecôte. Je restaurerai les dons de l'esprit. Je restaurerai les miracles et les prodiges. Je restaurerai les parler en langue. Je restaurerai les prophètes. Je restaurerai tout, dit l'Éternel. Elle est grandie maintenant. Elle est grandie maintenant. Comme un petit arbre. Le colombo c'était moqué. Grandissant. Kokolaka. Pour devenir le royaume du Dieu vivant. Bon, comment vos consciences en bénabou. Dis alléluia. Abi alléluia. Dis Seigneur Jésus. Nous te remercions aujourd'hui. Pour ta puissance de restauration. Bon, anguya na yo ya kozongi sa. Et puisse le Saint Esprit prendre cette réunion. Bon, go tika moliwa mosanto akamataliyanga yo. Maintenant par ta main. Siko na loboko na yo. Et cela au nom du Seigneur Jésus. Mais yango na kombo na kolo Yesu Christ. Tu reviens. Oh zonga. Oh alléluia. Oh alléluia. Qu'est-ce qui devait être restauré? Et que zengela kezongi ni na mosengela kezongi sama. Qu'est-ce qu'il y avait à la Pentecôte? Oh, ni les alliés n'ont pas de côté. L'onction. Et pas colami. La puissance. Gouya. Donc l'église. L'Ecclésia. Reçoit de nouveau. Et alliés qu'on soit les sous. C'est que Adam. Oh, yo, Adama. Avait perdu dans le jardin de Dieu. Aboumi, ce qui n'a aidé. L'église reçoit cela de nouveau. Ecclésia, alliés qu'on soit. En d'autres termes. N'a élevé les mots sous. L'épouse. Moi, si la liba. Rentre à. En Éden. Azali kozonga lisusu na Éden. Et reçoit de nouveau. Pe azali lisusu kozonga. La chose que Adam avait. Et loko Adam azala ki na. L'autorité qu'Adam avait. Bokonzia na mazala ki na. Le pouvoir qu'Adam avait. Makoki Adam azala ki na. Cela est restauré dans l'église. Et songi sami kati na ecclesia. Est-ce que jusque là vous êtes avec moi? Kino ana bozali na ngai. Jusque là vous êtes avec moi. Kino ana bozali na ngai. Si vous ne comprenez pas encore, dites-le moi. Je vais encore reprendre. Na komandela lisusu. Donc Adam avait perdu.
Le pouvoir et l'autorité. Il était un dieu. Mais il a perdu cela. Maintenant Jésus, dans sa mort, il vient nous restaurer, nous restituer ce qu'il avait. Donc vous avez encore l'autorité maintenant. Vous avez encore le pouvoir aujourd'hui. Tout ce que Adam avait là-bas, vous l'avez aujourd'hui. Je vous ai dit tout de suite là, je vais entrer dans des histoires dures. Mais comprenez d'abord ça. Alors après, tu arriveras à comprendre ce que je dirai par après. Vous pouvez lire ça vous-même. On a gagné temps. Dans la prédication, les eaux de séparation. Les eaux de séparation. Prêchez le 6 juin 55. Et paragraphe 41. Lisez aussi dans les réalités infaillibles du Dieu vivant. Paragraphe 112 et 113. Mais je vais lire dans conduit par l'Esprit. Prêchez le 15 juillet 50. Paragraphe 6. Jusque là, vous comprenez. Je repose ma question. Jusque là, vous comprenez. Que Dieu bénisse le frère Toto. Nzambe apambo landeko Toto. Je peux entendre sa voix. Nakoyuko yoka mongongo na ye. To la voix na ye na internet. On suit sa voix à l'internet. Hier je l'ai vu, je l'ai embrassé. Lobi na moni ye na yambi. J'ai dit au père sa onction à prédicateur. Rabbi, tu sais, toi tu donnes l'onction au prédicateur. Branham me dit. Branham a lobi. Maintenant nous nous rendons compte. Sikoyo to moni. Et tout le monde le sait qu'il existe des esprits. Alors il existe des esprits, il doit y avoir un maître de ces esprits. Parce qu'il change la nature des pécheurs pour en faire de chrétiens. Il doit y avoir un maître ou un chef quelque part. Et c'est Dieu. Il a envoyé sur la terre son fils, formé à l'image de la chair du péché. Et il est mort afin que nous puissions être rachetés et ramenés à Dieu. Pour être des fils et des filles de Dieu. Pour marcher de nouveau avec lui. Ces chaînons manquants depuis le jardin d'Éden. Ce qu'Adam avait perdu, Christ l'a de nouveau restauré. Christ a zongisi yango lisusu. Vous êtes avec moi. Bozali nangai. Est-ce que vous êtes avec moi? Bozali pesa nangai na kanisi. On peut monter? Tokoyuko mata. Je repose ma question. On peut monter? Na tuni motuna. Tokoyuko mata. Montons maintenant. Tomata kas. Maintenant. Sikoyo. Cette église qui est restaurée. Église ya oye zongi sami. Ou ramener au cœur. Zongi sami na ipai. Ou à la foi des apôtres. To na kondima ya bantoma. Elle doit maintenant continuer avec l'onction de la Pentecôte et faire la succession. Faire la succession de Jésus jusqu'à ce que Jésus-Christ puisse revenir. Donc toi et moi, quand nous avons reçu cette puissance, nous devons maintenant faire la succession. La succession de Jésus. Continuer les œuvres de Jésus. Jusqu'à ce que Jésus-Christ revienne. Et c'est pour cette raison que Dieu a envoyé le Saint-Esprit pour que nous deux
la succession. Nous puissions faire la succession. Il y a Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ. Reproduire les œuvres de Jésus. Misala na Yesu. Encore une fois aujourd'hui. Malamoko lisou sous les lots. Dans notre temps. Natango na biso. Car Jésus-Christ. Jésus-Christ n'est plus là dans son corps physique. Il n'est plus là dans son corps physique. Il doit avoir un remplaçant pour continuer le travail. Pour continuer le travail. Alors Jésus, bongo Yesu, te prends toi et moi. Pour que toi ça la succession. Pour qu'on fasse cette relève. Le bagage de succession. Pour qu'on fasse cette succession. Le bagage de succession. Relève ton nom. Comprends d'abord de la succession. Qu'est-ce que la succession? Yango babengi succession ezani. Selon les dictionnaires. Koko kana mokanda maloba. Nazo kende na dictionnaire. Nazo kende na mokanda maloba. Par extension, c'est la manière dont se fait la transmission des héritages. Ezali le lengo e kosala makapo ete kita e koma na maboko ya moto mosusu. Or l'héritage zoka kita, c'est la transmission de biens. Ezali bopesa miya biloko à la mort d'une personne. Wana moto moko akufi. Donc tout ce qui était en Dieu nyoso ezalaki kati na Nzambe était déversé en Christ. E sopala ki kati na Kristo. Christ, bongo Christ était l'image du Dieu invisible. Il était l'unique et le seul qui était conçu à recevoir la plénitude de la divinité corporellement. En dehors de Jésus, il n'y a personne. Oh Branham, avec la plénitude. Asala kina litondi. La Bible dit, Bibili elobi, soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Kino na litondi nyonso ya Nzambe. Toi aussi tu dois avoir la plénitude. Yobe osengeloza na litondi. Mais quelle plénitude? Kasi litondi ya ndenge nini? La plénitude de ta portion. Litondi ya eteni na yo. Si tu es un gobelet, soki oza obe kopo, ta plénitude, litondi na yo, c'est le plein de ce gobelet. Ekotele la botondi ya kopo. Si tu es une cuillère, soki ozali lutu, ta plénitude, litondi na yo, c'est quand sa cuillère a fait plein. C'est ça la plénitude. Mais Jésus, kasi Yesu, il est l'océan. Jésus est l'océan. Yesu ne mbu monene. Il est l'incomparable. Yeba kokanisa kayete. Il est l'incontournable. Ye okoyi ko le kalibana na yete. Il est l'invincible. Ye balonga kayete. Il est l'invaincu. Ye balonga kayete. Il est l'unique à son genre. Na lolenge na ye azaye moko. Ce qui ton habit doit continuer, s'il faut continuer sur Jésus pour parler de Jésus, et vous allez tinati. Nous allons continuer jusqu'à l'infini. Donc on continue en mot tinati. Nous allons parler de lui jusqu'à l'infini. Parce que Motoloko là hier, parce qu'un homme comme lui, Azala n'a noté, n'a jamais existé. Et il n'existera jamais. Tout le monde est remplaçable. Tout le monde est remplaçable. Mais Jésus, il est irremplaçable. Jésus. Jésus. Chipinga wabaloji. Babengi chipinga wabaloji. Babenga kaye chipinga wabaloji. Chipinga. Chipinga. Wabaloji. Wabaloji. Oh bandogi basali plana bango contre yo. Oh les sorciers ont comploté contre toi. Batse ba dossier nyon se ba classé. Ils ont classé des dossiers contre toi. Balobi pona yo kouajik. Et ils ont arrêté pour toi, c'est fini. Ba classé dossier.
Il lance le dossier. Maintenant le chip ping a balogé ailleurs. Maintenant le grand maître arrive. À côté de place Wana. Il entre dans cet endroit là. Bamon y était. Et il l'aperçut même. La a même dossier. Pas. Il prend le dossier. Abimisi dossier. Il retire le dossier. Passole. Et il déchire ce couteau. Après il jette. Quand les sorciers vont venir, ils viennent regarder. Les dossiers n'existent plus. C'est lui. Chipinga Balogi. Je me sens bien. Non mieux qu'à bien. Je me sens bien. Non mieux qu'à mal. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je sens comme si je dois sauter. Non, kaka, comme si je dois courir. Comme si je dois rouler partout. Oh mon Dieu. Jésus. Yesu. Bati kayo. Quand te laisse. Toi, tu n'es pas comparé. Tu n'es pas comparé. Maintenant. Sikoyo. Tout l'héritage. Qui était ton Jésus? Comme ça doit se transférer à la mort. Jésus était bel et bien mort à la croix. Maintenant l'héritage qui était ton Jésus a été transféré dans l'église. Et pas dans un individu. Mais dans l'église tout entière. Kasi na eklezi na mobimba. Maintenant avec cet héritage. Si konan kita oyo. Quand tu reçois l'héritage. Tango yo zui kita. Tu dois maintenant faire la relève. Et sengeli si koyo o kita na na mosala. Et continuer. Okoba le travail que Jésus faisait. Okoba mosalo Yesu abandai ko sala. Maintenant, sikoyo, selon le dictionnaire. Kokokana mokanda. Que veut dire la relève? Oyo babengi relève lingolo banini. Oh relève biso tondi makango. Oh relève, nous on ne croit pas des histoires comme ça. Yo relève dictionnaire lobinonini. Bon, attends d'abord, tu vas apprendre ce que dit le dictionnaire. Yondi ma relève te. Comme toi tu ne crois pas à la relève, tenez la dictionnaire. Bon, maintenant rentrons au dictionnaire. Dire la relève. Selon le dictionnaire, c'est le remplacement d'une équipe d'ouvriers par une autre équipe équivalente. C'est ça la définition du dictionnaire. S'il y a moyen, lisez même le dictionnaire. Le remplacement d'une équipe d'ouvriers. Par une autre équipe équivalente. En d'autres termes, c'est continuer avec le travail. De façon qu'il n'y ait pas d'interruption. Pour qu'on sache que Jésus-Christ est encore le même. Hier, aujourd'hui, et éternellement. C'est ça la relève. Cela ne veut pas dire qu'on enlève Jésus de sa place. Jésus reste Jésus. Jésus reste Jésus. Mais il n'est plus là dans son corps physique. Le travail doit continuer. Alors Jésus choisit l'église. Il donne la puissance. Il envoie William Branham. Pour nous restaurer. Pour nous ramener. À cette puissance-là. Que les apôtres. Nous puissions faire le travail que Jésus devrait faire. Qui a compris la relève? Non, moi, relève. Est-ce que c'est difficile? Et ça peut pas si. Donc, all in, que tu le veuilles ou pas. Yonanga. Vous et moi, nous sommes dans cette relève-là.
tu refuses la relève, c'est que tu n'as pas été ramené. Ça définit clairement que tu n'as jamais été ramené. Parce que tu dois reproduire les mêmes choses qu'il y avait à la Pentecôte. Qu'on a quitté là. Toke malembe. Qu'on avance lentement. Qu'on avance lentement. C'est ce on que a dit ma relève. Oh non, tu sais, moi je ne crois pas à ces histoires-là de relève. Moi je fais la relève. Ngaï, nazo sala, nazo kita na mosala. Soit toi, si toi tu refuses, reste. Malembe. Petit à petit. Donc malembe. Qu'on avance petit à petit. Est-ce que vous êtes avec moi? Bozan ngaï, hein? Est-ce que vous êtes avec moi? Boza pesan ngaï. Donc l'héritage que vous avez reçu. Bon suis, toi qui t'as bon suis. De tous ceux qui étaient en Christ. Il y a nous ceux qui sont en Christ. Vous faites succéder Jésus. Mais en vrai, c'est l'été yon, au quittant la Yesu. Et en succédant Jésus, vous fassiez la relève de Jésus. Au comment qu'on s'allait mon salat na Yesu. On continue mon salat na Yesu. Oh, que tu fasses encore le travail que Jésus a fait. Jusqu'à ce que Jésus revienne. Qui nous est de Yesu Azonga? Écoutez ce que Branham Branham dit. Dans la prédication, pourquoi le Saint-Esprit a-t-il été donné? Prêchez le 17 décembre 59. Paragraphe 67 et 87. Et 84. 67 et 84. 67 et 84. Je vous avais dit, je vais vous amener à des choses. Des choses de ceux de CEO. Oh monsieur, yo bandi marambo CEO. Oh non, tu sais monsieur, tu commences à me donner des grandes histoires. Si tu refuses les histoires de CEO, rentre à l'école primaire. Allez encore reprendre les 1 plus 1 égale à 2. Parce que dans nos yeux, aux yeux Saint-Esprit. Là, ça signifie que tu n'as pas encore reçu le Saint-Esprit. Branham me dit au paragraphe 67. Branham a l'habitude de le dire. Maintenant, les œuvres que je fais, mais ça n'a pas ça. Vous les ferez aussi. Pourquoi ça l'engopé? Pas une autre œuvre. Mais Dieu veut amener le Saint-Esprit en vous à continuer la même œuvre qu'il faisait en Christ. L'œuvre n'en demandait pas tant au jour de Luther. C'était l'église de Dieu. Ce n'était pas, il n'a pas terminé. Il dit on demandait un peu plus au jour de Wesley. En effet, le monde, a dit la Bible, deviendrait sans cesse plus faible. Deviendrait sans cesse plus faible et plus intelligent et plus méchant. Le monde devient plus méchant. Nous savons tout ça. Voyons aujourd'hui, les hommes font des choses qu'il y a 100 ans. Les gens font des choses qu'il y a 100 ans. On ne serait pas imaginer qu'un être humain puisse être aussi cruel. Sans cesse plus méchant. Et les méchants agiront encore plus méchamment. Sans cesse, a dit l'écriture. De plus en plus. 84. Écoutez bien. Le but d'envoyer le Saint-Esprit, c'était que Dieu continue à travers un groupe de gens a continuellement manifesté Dieu au monde. C'est exactement ça. Pas par un credo, pas par une dénomination, mais par la puissance de sa résurrection. Arrondons sa parole réelle en prenant sa promesse et en se tenant du côté de la minorité. Donc, ça sera une minorité. En se tenant du côté de la minorité. Et en croyant Dieu. Et de voir les nuages noirs se retirer. Et la puissance de Dieu entrer. Et prendre la relève. Il dit amen. Voilà ce qu'il veut. Voilà pourquoi le Saint-Esprit a été envoyé. Voilà le but dans lequel il l'a envoyé. Je peux entendre la main de frère Toto. Encore une fois, la main de frère Toto. Est-ce qu'on peut avancer? Donc le Saint-Esprit a été envoyé pour que toi et moi nous puissions continuer
encore à Kokoba. Le travail Mosala de Jésus-Christ. Il y a Jésus-Christ. En faisant les mêmes œuvres. Qu'il ne faisait. Oh Yasalaki. Même des œuvres plus grandes. Attends, Misala Minene. Branham me dit. Branham a lobby. Vous croyez à votre prophète, n'est-ce pas? Bon, il me l'a été. Qui croit à Branham? Nana, il me Branham. T'as tombé ma boque. Nous levons tous le pied. Branham dit. Branham a lobby. Nous devions avoir. Et c'est là qui tous à là. Le pouvoir. Namakoki. De transmettre la vie éternelle. Il y a copains à bon moment et à des gens comme vous et moi. Et puis il n'a pas de locaux là. Yonan. Donc Yonan Gandene Tosali. Vous et moi comme nous sommes. Pouvoir. Nous avons ce pouvoir-là. Il y a que transmettre la vie éternelle. De transmettre la vie éternelle à quelqu'un d'autre. Je vais lire Branham. Nathan à Branham. Bolobi bondimara Branham. Vous avez dit vous croyez à Branham. Vous croyez à Branham, n'est-ce pas? Vous dites à Branham, vous êtes. Borasi relève Zakama Loba. Vous croyez la relève, c'est seulement parler. Non, ça reproduit. Non, c'est reproduire quelque chose. Mais ça là, et ça là, qui déjà. Les œuvres qui ont été déjà faites. C'est ça la relève. Il y a mon relève. Lisons Branham. Tout le temps à Branham. Ces jours-là sur les calvaires. Mokolo anane kulusu. Prêché le 25 septembre 60. Et terminé à Mobutu Motoba. Le 25 de septembre 60. Na Mobutu Motoba. Paragraphe 131. Et terminé à Mokama la Tukumisa Tunamoko. Mais il a dit. Hey, lobby. Vous en ferez de plus grands. Je vais vous donner la puissance. Non seulement de les ressusciter pour un temps. Mais de lui donner la vie éternelle. Celle qui sera éternelle. Pour toujours. Pauvre misérable aveugle. Oh, comment faites-vous pour manquer ça? Vous ne voyez donc pas ce que la chose plus grande, c'est la plus grande chose qui ait jamais pu arriver, c'était de transmettre la vie éternelle à des gens. La vie éternelle, qu'est-ce que c'est? La vie qu'il a vécue, la vie qui était en lui, de la transmettre à d'autres. Il pose la question. Est-ce qu'un homme peut faire ça? Il répond. Un fils de Dieu le peut. Un fils de Dieu peut transmettre la vie éternelle. Otali moto. Tu regardes à quelqu'un, la paix sur la vie éternelle. Tu lui dis, je te transmets la vie éternelle. Paix à vie éternelle. Et il reçoit la vie éternelle. C'est ça l'œuvre la plus grande. Il y a mon Branham à l'obi. C'est qu'a dit Branham. C'est ça la relève. Il y a mon kitani na mosala. La succession. Il y a mon zoami na mosala. Tu vas continuer? On peut continuer. Maman maka ceci était. Moi je crois, bon, les choses dures ne sont pas encore finies. Des choses dures, il y en a encore. Quelqu'un peut dire d'abord amen à ça. Donc le Saint-Esprit, au travers d'un groupe de gens, fait la relève de Christ. Toi et moi, le vouloir ou pas, qui doit faire la relève de Christ. Lisons dans la prédication Hébreux chapitre 1er. Prêchez le 21 août 57. Paragraphe 29. Et après nous lirons dans l'exposé de cet âge de l'église. Page 242. Troisième paragraphe et 243. Ça vous fait du bien, n'est-ce pas? Et ça, bien voulu embêter. Branham a dit. Branham a lobby. La lune est une ombre du soleil. La lune est une ombre du soleil. Sansa ezali botali samilamoi. La lune est une ombre du soleil. Sansa ezali botali samilamoi. Le soleil reflète sa lumière.
lorsqu'il est derrière la terre, alors la lune donne de la lumière qui permet de marcher la nuit. Quelle belle image nous avons ici! Une autre belle image. Le soleil représente Christ. La lune représente l'église. Ils sont vraiment comme mari et femme. Et à l'absence de Christ, l'église reflète la lumière secondaire, l'évangile. Et c'est la lumière dans laquelle marcher jusqu'à ce que le Fils s'élève de nouveau. Alors l'église, le Fils, la lune et le soleil. Sans Anamoi. Se fondent l'un dans l'autre. Voyez, la lune est une partie du soleil. Et l'église est une partie de Christ. Et pendant l'absence de Christ, l'église reflète sa lumière à lui. Et alors aussi sûr que nous voyons la lune briller, elle sait que le soleil brille quelque part. Et donc l'église reflète la lumière de Christ. Christ est vivant quelque part. Réfléchissez à ça. Baza malamu na yango. Exposé de cet âge de l'église. Mokanabi leko sambali ngomba. Il dit ceci. Alobi boye. L'écriture dit aussi que Dieu a oint Jésus. De Nazareth du Saint-Esprit et de puissance. Et qu'il allait faisant le bien. Et guérissant tous ceux qui étaient opprimé par le diable. En s'en allant, Jésus a dit à ses disciples d'attendre jusqu'à la Pentecôte. Et qu'à ce moment-là, le même esprit qui était sur lui reviendrait, qui descendrait sur elle, et qu'ils en seraient remplis. Ainsi, ce groupe des appelés à sortir, l'église lui succéderait sur la terre, occupant sa place. Et parce que le même esprit qui était en lui serait en eux. Il ferait les mêmes œuvres. De même, tous ceux qui sont vraiment du corps de Jésus-Christ, la vraie église, manifesteront les mêmes œuvres que Jésus. Et l'église de Pentecôte, parce que le même esprit sera en deux. Écoutez la déclaration de Branham. Il dit toute autre église qui n'a pas l'esprit et ses manifestations devra en rendre compte à Dieu. Soki boza nango te, si vous n'en avez pas, vous serez jugé auprès de Dieu. Donc vous devez en avoir. Et lui, quand vous dites, n'a pas de temps. Quelqu'un est avec moi. Moko Azanangaï. Et pas grave, vous sont natifs pour RSATR et aussi là déjà. Non, mais nous sommes aussi là. Vous dites qu'il y a un autre qui est ma casse de souci. Laissez-moi avancer un peu. Donc c'est long. La définition. De la relève, les remplacements d'une équipe d'ouvriers par une autre équipe équivalente. L'équipe A, ce sont les apôtres que j'appelle équipe Alpha. Maintenant, l'équipe équivalente, c'est l'équipe qui a été ramenée au cœur des pères apostoliques. Donc, les mêmes œuvres que les apôtres avaient, ça doit se reproduire aujourd'hui. Parce que nous sommes ramenés. Ces mêmes
adressa la mission de Branham. Oh, Branham a dit. Branham a dit. La mission de Branham, c'est de nous ramener. À ce que les apôtres avaient. Puisse revoir encore les mêmes choses. Toute autre église qui n'a pas ça. L'église a nos soins. Ils seront jugés. Laissez-moi sauter d'autres choses. Monsieur, je vais sauter d'autres choses. Aujourd'hui, Lélo, nous devions être en mesure de produire les œuvres plus que les apôtres. Il y a Thomas. Pour quelle raison? Pour la ligne. Nous avons reçu des pluies. Toyambi mbula mibale. La pluie de la première mbula ya liboso et de l'arrière saison. Pe mbula ya leko ya sima. Les apôtres avaient une seule pluie. Batoma bazala ko bena mbula moko. La pluie de la première saison mbula ya leko ya liboso. L'onction et pas kolami. Mais nous nous avons reçu biso toyambi aussi la pluie de l'arrière saison. Na mbula ya leko na sima. Les enseignements malakisi. Nous devions produire Dieu et sengeli to mbula sanza plus que les dons des apôtres. Kole kata tango batoma. Étaient 120, les disciples disaient. Et leur impact, nous suivons jusqu'aujourd'hui. Mais nous qui sommes ramenés, nous avons plus de 2 500 000. Nous sommes au-delà de 2 500 000. Sans impact. 120 ont fait l'impact jusqu'aujourd'hui. Mais 2 500 000 personnes qui ont été ramenées ne produisent de rien. Nous devrions avoir honte, frère. Avec la puissance que Branham avait. Laissez-moi vous dire de vérité maintenant. Parce que je vais terminer. Je vais dire de vérité. Je vais dire de vérité. Bisoto vendre en Amérique. Nous restons en Amérique. Moi, je suis américain. Moi, tel que je suis américain. To vendre en Amérique. Nous restons en Amérique. Personne ne connaît Branham en Amérique. Kuna, en Amérique, il n'y a pas de fandi. Motote a yebi Branham. Bon, qu'à moi. Ça vous fait, vous êtes étonné? Je vais encore plus loin. Nous sommes allés à Jeffersonville. Moi, mon épouse et le frère. Mon épouse va poser la question au voisin. Moi, si l'anga a tourné mon tourna na basalani a pembeni. Ba voisin a pembeni ya. Basalani a pembeni boui. Ya Branham Tabernacle. Ya Branham Tabernacle. Moi, si l'anga a tourné la question. C'est ma femme qui pose la question. Est-ce que vous connaissez Branham? Boyebi Branham. Bayebi yete. Ils ne le connaissent pas. Qu'est-ce que Branham a fait consommer ma bonbon aïe? On s'est avancé même là où Branham achetait ses bonbons. Ma frère église d'Angana, madame Nanga. Les frères de mon église ainsi que ma femme. Ils sont allés poser encore la question. Est-ce que vous connaissez ce que oh non, on ne le connaît pas. Na Jeffersonville. Moi, na Jeffersonville. Papa Kalo, vous êtes là. Papa Kalo, salut. Je crois que c'est vrai ce que j'ai dit. On a solo baiser solo. Le pasteur Kalo vit à Boston. Papa Kalo, mon king il a fait à Boston. Alors bien à solo. Et il a répondu, il pouvait. Bayebi Branham. Ils ne connaissent même pas Branham. Mais on fait des bruits en Afrique. Mais Bazo Salama Kiel est en Afrique. Si en Afrique, Bazo Loba Loba Mingi. États-Unis est bieté. Mais aux États-Unis, moi je travaille. Moi, n'ga na salaka. Personne n'a pas ton travail na bango baby Branham. Parmi les gens qui nous travaillons ensemble, il n'y a même pas une personne qui connaisse Branham. Mes frères, ça sont dit. Baneko, c'est une honte. Si les dieux de Branham, ceux qui sont à Branham, ne se manifestent pas visiblement. Azo mona nanami souboete. Comment les gens croiront au message? Denge nini bato bakondi mela sango. Balobi nini le prophète chez lui. On dit souvent qu'on ne reconnaît pas un prophète chez lui. Non, il faut bato ba yo kanango. Parce que attends bon moi c'est nini bato ba yo. Il est pas rejeté. Et après s'il fait qu'il rejette. Dès que nini le prophète chez lui. Parce que nini le moudra. Mais bango ba yo kanango. Mais ils n'ont même pas. Nous même pas écouté Branham. C'est une honte. Branham me dit. Branham a à quoi te servira le Dieu de l'île?
Si il n'est pas le même aujourd'hui. Et je dis, na lobby, à quoi te servira le Dieu de Branham? Branham si il n'est pas le même aujourd'hui. Branham a lobby. Branham dit, si Jésus n'est pas le même aujourd'hui, là, allez-y faire les chants. Allez-y faire les chants. Que je vous lise depuis que ça. Je voulais vraiment bien introduire mon pasteur. Je voulais bien introduire mon pasteur. Tu sais, des fois, ça m'énerve. Dans la prédication, le surnaturel. Prêché le 29 janvier 56. Paragraphe 17. Je commence au millier. Maintenant, évidemment. Si Dieu est toujours Dieu, il est toujours surnaturel. Ne le croyez-vous pas? Il doit l'être. Or, nous essayons de prendre Dieu comme quelqu'un de préhistorique. Ou un Dieu historique. Mais à quoi servirait un Dieu historique aujourd'hui? À quoi sert le Dieu d'Élie à un homme aujourd'hui? Si ce n'est pas le même Dieu, qu'est-ce que vous apprenez sur lui? Eh bien, s'il est une réalité historique et pas le même aujourd'hui, il vous serait plus avantageux d'apprendre l'agriculture. Ou quelque chose de ce genre. Quelque chose qui aiderait quelqu'un. Donc, cela signifie si tu n'en as pas. Branham nous conseille d'aller faire les champs. Nous devons acheter des hectares de champs on ici. On peut acheter tout ce mabamabele ou abilanga. Vous avez plein de forêts ici. Tout ce mabazamba. Qu'on achète même des espaces. Qu'on envoie les gens pour faire les champs. Qu'ils nous fassent des légumes. Des légumes qui peuvent aider quelqu'un pour si Jésus n'est pas le même, ceux qui est sous un dernier mon côté. Si on ne reconnaît pas Branham aujourd'hui, c'est parce que l'Amérique n'a rien fait. Et ça lui prend l'Amérique et ça lui est l'autre côté. Oh, le Dieu de Branham est vivant. C'est pour cela que nous avons besoin de la relève aujourd'hui. Pour que le Dieu de Branham sorte de l'histoire. Que la relève, relève Zanini, de sortir Jésus de l'histoire. Qu'il soit encore le même. Hier, lobby, aujourd'hui, les longs, et éternellement. Branham a dit. Dieu a donné à ses serviteurs. Il ne les a pas laissés seulement comme ça. Mais il les a donné des basali malades. Où sont-ils? Bango basawapi. Où sont-ils? Basali wapi batwango. Bango nanate. Ils ne se font même pas voir. Il fallait qu'il ait bougé. Non, il fallait que le monde bouge. Qu'il ait bougé. Que le monde ne bouge pas. Donc la merveilleuse auxiliaire, hein. Pour Babassel et Moussa, ils ne font rien. Dans l'équipe Alpha, Paul a qui messager. Paul, c'est lui qui était le messager. Paul a cueilli. Paul est parti. Jean y a sur place. Jean l'a remplacé. Le fait que Jean avait pris la place n'a pas exclu Paul. Alors on a dit Paul on est sicaté. Il a continué avec le message de Paul. Il a raccombiné sans rien faire. S'il y a aujourd'hui, ce qu'il est long, un merveilleux auxiliaire, Moussali Moko Mala Moazali, qui a remplacé Branham, ou a quitté l'île à Branham, alors on lit Branham la place de l'île. Cela ne signifie pas qu'il a enlevé Branham de sa place. Mais il prend le message de Branham. Il a juste pris le message de Branham. Et continue. A raccombiné en gros Moussala. Pour que Jésus, point de Yesu, soit le même. A dit qu'à l'année. Yeah. Aujourd'hui, les longs éternellement, c'est ça la relève. Il y a un monde qui t'a dit.
Ce ne sont pas des simples paroles. Abraham a l'obaki. Abraham a dit, moi n'a rien de fazwa. C'est son fils qui devait le remplacer. Moi n'a rien de fazwa. Oh, c'est son fils qui veut prendre la place. N'aboyité. Je ne refuse pas. Mais il doit reproduire. Mais que cet enfant là reproduise les œuvres de son père. Les œuvres de mia papa naie. Mais la Jefferson Ville, bah évite ça naie. La Jefferson Ville, on ne reconnaît même c'est pas son honteux. Papa. Son imingi. Mais ici, tout demande même à un charlomé dans la rue, Branham. Il connaît Branham. C'est pourquoi la relève n'est pas aux États-Unis. La relève est en Afrique. La relève est ici. Mon quartier général. Quartier général en Angaï. Ce n'est pas Jeffersonville. Ezali Jeffersonville. C'est ici. Ezali Awa. Ici. Awa. Nous avons l'onction de Branham. Ezali n'a pas colami à Branham. Je vais terminer par là. Naosuki Sawana. Tozana onction ya Branham. Nous avons l'onction de Branham. L'onction se transmet et pas que la mienne pisse d'une personne à une autre. Quand vous dans la moto, moi, quand la mosus. Branham a prié pour Joseph Coleman. Abondez-le pour Joseph Coleman. Joseph Coleman a prié pour Beka. Abondez-le pour la Beka. Joseph Coleman, Joseph Coleman, bah tout faillé tellement à bien banakité. On l'a étouffé jusqu'à sa mort. Qui nous a koufi? Mais il avait prié pour le pasteur Barout. Il dit tu es plein feu. Digne pour le travail. Il a prié pour lui. Et il a prié pour lui. Et le pasteur Barout a prié pour nous. Yo t'en a onction. Toi tu as l'onction. C'est toi qui as l'onction. Mais qui t'a transmis cette onction? Pour ça se transmet d'une personne à une autre. Où est-ce que tu as eu ton onction? Moi je l'ai reçu ici. Moi, c'est pourquoi nous restons dans la lignée. Nous manifestons Dieu. Juste deux témoignages et je remets le micro. Mon épouse me dit, moi si nanga ebisinga. Chérie, t'as voyagé. Chérie, on voyage. Nana besoin $700. J'ai besoin juste de $700. Je lui dis, ma chérie, je n'en ai pas. Elle me dit, j'ai vraiment besoin de ça. Nathalie Nabi, je regardais, je me suis dit, Jésus va te donner ça maintenant. Tu sais, Jésus, hier son père sont aussi courus. Voyage. Et elle faisait arranger, elle arrangeait ses habits pour voyager. Directement mon enveloppe na kata bilamba na ye. Et dans le bagage qu'il faisait là, il a vu l'enveloppe dans ses habits. Chérie, il y a une enveloppe ici. Oh mais chérie, je vois l'enveloppe ici, c'est quoi? Fongo l'enveloppe. Ouvre cette enveloppe là. A fongoli. Elle l'ouvre comme ça. Chérie Mbongo. Mais chérie, il y a de l'argent. Comptez. Compte ça. Pam, $700. Attends, $700. J'ai reçu cette onction ici. N'azoué pas que la miwana awa. Chérie, faut la commander bilamba n'a besoin $500. Chérie, je dois commander des habits, j'ai besoin de $700. Chérie, n'azan angote. Je n'en ai pas. Yes, on appelle ça aussi. Mais Jésus te donnera ça maintenant. A du cahier ou yaye moko. Et il a pris son propre cahier. A fongoli. Il ouvre comme ça. $500. Il voit $500 à l'intérieur. N'Amérique est zate. En Amérique, cette onction-là, on a pris cette onction-là d'ici. Et nous avons amené l'onction d'ici là-bas. Des choses à dire, il y en a beaucoup. Mais je vous dis, laisse-moi vous dire, protégez les dons que vous avez ici. Je suis derrière ces dons. Et je soutiens ces dons. Ceux qui étaient avec Branham, une ne croyait pas parce qu'il voyait ses erreurs de foi. Il n'y a pas quelqu'un qui est parfait sur la terre. Mais regardez à l'œuvre de Dieu.
Si vous regardez l'œuvre de Dieu, Dieu vous bénira. Que Dieu vous bénisse. Voilà Jésus. Des acclamations au Seigneur Jésus-Christ. Des cris de joie. Des acclamations. Des sifflets. Il est le roi des rois. Et il est merveilleux. Merci Seigneur Jésus. On va se lever. L'onction est là pour ruminer ce que nous avons entendu. Que chacun prie le Seigneur. Merci Seigneur pour tout ce que tu nous as donné par ton serviteur. Nous sommes connectés et nous voulons te manifester. Là, nous allons inviter le révérend Awambi qui s'est déplacé pour la prière. Et entre-temps, deux minutes que chacun prie le Seigneur. Thank you.